comment il s'appelait, Fourtant. Il envoyait justement un carton comme ça. On entoilait, tu sais, dans la galerie. Mais non, ce qui avait été rajouté, là, il y avait des portes. Pas la galerie, derrière, tu vois, derrière sous le préau, voilà, ah, on entoilait là. Oui, oui. Et puis Monsieur Fourton mettait des laines qu'ils avaient tissées, qu'il l'envoyait. Alors, on était là, puis moi, comme toujours, on faisait un peu le cirque. Alors, je lui dis, ah, c'est pour Paris. Ah, oh, je connais pas Paris. Moi, je dis, je vais aller voir, je saute dans le carton avec les laines, la porte s'ouvre. Alors, bien sûr, toutes les filles, elles... Oui, mais il savait plus quoi dire. Elle savait plus quoi dire, oui. Mais il n'a rien demandé. Il a dû dire, elle est partie faire pipi. J'étais dans le carton. Oh, j'ai dit, purée. Il te réemballé. Alors, le monsieur Fourton disait rien, parce qu'il était discret et gentil, monsieur Fourton. Il dit rien. Et puis, je ne sais plus ce qu'il lui pose, une question, je ne sais pas quoi. Puis le téléphone sonne. Ah, oh, tu es parti, ça m'a arrangé. Il est vite parti. J'ai sorti du carton. Et toutes ces laines là-haut qu'il y avait... Dans le grenier, au moins un jour, je montais, il m'avait dit, va chercher le carton dans le grenier. Bon, là-haut, moi, je monte dans le grenier, puis le grenier, il y avait des solives, c'était pas fermé ni rien. Oh là là, moi, je fonce, j'attrape, je marche sur les solives, les traverses, comme ça, j'arrive, bim. Ah, je me suis ouvert là. Tu te rappelles pas, j'avais la croix gammée sur la tête.